Bonjour les amis, c'est Mobio. On est de retour sur la fête foraine de Xenoverse 2. Alors pourquoi la fête foraine? Parce que cette musique est ridicule. Du coup, on allons reprendre notre bon vieux Jean-Kevin et nous allons attaquer l'émission. C'est parti. Hop, on voit qu'une quête principale est à droite là-bas. On y va. Ouais. Salut. Je sais pas ce que j'ai mon permis de conduire. Ouais, si je vais dans le bon sens, ça sera encore mieux. Voilà. Escalier là-bas. Par ici, par ici. Allez, allez. D'accord, alors. C'est par là. La quête principale. Yo. J'ai une question. Vous vous souvenez au début du premier épisode, j'ai dû choisir Namek ou la Terre. Avec de la chance, il y a peut-être moyen de pouvoir choisir Namek cette fois-ci. On va rentrer dans la salle, on va le voir. Non, ah d'accord, non, en fait, nous ne choisissons pas, ok. On ne propose pas autre chose. Je pense que ce sera plus loin, si on avance dans l'aventure, on pourra peut-être choisir les quêtes que j'ai pas pu sélectionner avant. Une question, t'as mis quelque chose de spécial? Irasai! Oui, ok, bon, c'est cool. J'arrive, le vieux, comment ça va? Allez, propose-moi quelque chose de cool, quelque chose de badass. J'ai changé la lettre à son maximum. Oui, bien sûr, je pars pour la plus de temps. D'accord, alors, yes. Ah, du coup, dans l'histoire originale, il envoie que Dodoria et pas Zabon. Donc là, il y aura un souci, parce que Zabon, lui, il peut défoncer Krillin et Gohan en 2-7. Bah oui, je suis là pour ça en même temps. Dodoria, bien sûr. Jean-Kevin va poser ses boules. Allez hop, c'est parti. Ok. Allez, j'arrive par là, mon gros. Il dit qu'il se fait défoncer en 2 secondes par Vegeta. What?
Vite, vite, vite. Touche pas à mon maître. Oh, prends ton sang, mon gros. Ouais, t'es pas encore gros là. Faut devenir un gros. Allez, calme-toi là. Alors, quand même merde. Excellent. Bon, j'aurais pour quelques attaques quand même, quelques techniques seraient pas mal. Et t'as esquivé mon attaque au nid. Ok, j'ai gagné un petit niveau. C'est parfait, on continue. Je mettrai les points plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Je dirais contre Vegeta. Vegeta l'a défoncé très facilement. Quelle histoire se suivra normalement? Ah bah Slake, qu'est-ce qu'il fout là lui? Un petit honnête dans ta tronche, ça te va? Ah, j'ai trop ça, mais... Ouais, ça fait à peine des dégâts. What? T'as tapé vite mon petit là. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup d'endurance hein, j'ai déjà le problème. J'ai pas esquivé trop souvent. Ah. Ciao Trunk. Ouais. Ah, j'ai encore eu des points, nickel. J'hésite à pouvoir mettre mes points parce que bon, il est pas encore assez badass. On va continuer, on va tenir comme ça, on va tenir et puis à la fin je mettrai ses super points pour avoir plus de puissance, que ça montrera ses puissances. Allez, comme ça le John Kevin sera un monstre. Voilà. Ah,
のチビどももそうだろう。こんなところまで来てはしまったろう。何をどけてやがる。そんなことはどうでもいい。どうせ俺がまとめて片付ける。最初にラベルスキーブやってみろ。アタック俺たちサイヤ人は戦うために強さ相手が強さその強さを増して地球で死にかけた俺は On se couvrit pour la fin? Et voilà. Je l'ai massacré, le Vegeta il l'a même pas touché. J'ai eu qu'un. Ouais, je ne comprends pas trop là. Bon bah, disons. Adieu, le Dreya. Saiyajin no sokoshire no kanosei o osorete iru. C'était le premier personnage rose de la série. Sakki no yatsu wa. Qui était-ce? Ah bah, c'était Jokibin! La puissance incarnée! Ok, petit chargement, tranquille. Ça va plutôt vite quand même, le chargement. Gokuro jattada. L'ekishi wa buji, moto no nagare ni modotta zo. Kocchi de mo shirabete mita ga, l'ekishi o arashitoru yatsura wa, docchi mo tondemo nai akunin ja zo. Tares wa saiyajin no ikinokori no hitori. Uchi o abare mawaru narazu mo no crusher gundan no boss ja. スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらくその復讐をしようとしているのよ。だからトランクスたちが二人を追っているがまだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも、私用事があるから、この辺で失礼するわね。ノーマル。こりゃ、わしの話を聞いとったんか。何よもう、私だって忙しいのよ。フレマード。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だから、あの子のお世話をしないといけないの。オッケー。おお、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。オッケー。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。オッケー。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはのう。そういうことで私は行くわね。あじゃからあやつらの体そんなのまた邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。なんかおいいやまあそうかもしれんが、やれやれ今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。La force brute! Bah ouais, Kevin! De Joe Kevin, il va nous montrer sa force brute. Ok. Et on va placer nos petits points. Hein. Alors, est-ce que. Ok, il ne peut rester que 3 heures dans le hall des milieux. Tu pourras bien sûr te rappeler que la suite de jeu te préviendra toujours à la limite approche. Ok. Ouais, ils ont mis une petite limite parce que c'est vrai qu'avant on pouvait se mettre comme on voulait et puis souvent les serveurs étaient saturés. Bon, les policiers étaient un peu chargés.
Tu peux choisir. Tu peux aller vers le compas, l'invitation, ou les définitions. Ok, alors. D'autres membres peuvent ensuite se joindre à votre combat sur cette quête. C'est cool. Je peux aussi donner plus de références sur le chronomètre. C'est bien détecté. C'est stupide sur la carte. Magnifique. C'est ok. Ouais, bon, voilà, ouais. Il explique plus ou moins le multijoueur. Ok, bon, alors, mon petit ami, tu vas augmenter ta puissance. Alors, personnaliser. Amélioration attribut. Alors, endurance, j'en ai carrément pas assez. On va passer à 6. Attaque de base, ok. Qui ? Ouais, j'en ai pas assez non plus. Je peux pas utiliser les autres attaques. Santé, on va mettre 6. Voilà, c'est parti. Plus ou moins équilibré, mon personnage. Modifier. Technique. Qu'est-ce que j'ai de beau ? J'ai le combo Oni, j'ai le Big Bang Attack, le Kamehameha parfait. Et le Kamehameha enchaîné que je n'aime pas. Mais je n'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. Ok, éveil. Je n'ai pas d'éveil pour l'instant. Charge de feu. Okay. Ok, bon ben c'est pas mal. On est parti pour ça. Alors, salut, oui, oui. Du coup, ça fait bientôt 20 minutes. Nous allons faire des emplettes. Nous allons acheter quelque chose. Pour les quelques minutes qui restent. Nous allons à la boutique, nous allons voir ce qu'il y a de beau. Salut Pico. Hop là. Il y a un Raditz là. Ok, Raditz peut être ton maître. C'est cool. Allez, les boutiques, elles sont où? Quelque part dans le coin. Boutique de technique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la boutique de technique? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein, comme c'est le début du jeu. Bonjour. Alors, hashtag des ennemis, bien sûr. Alors, super bruit du dragon. Technique frappe à longue portée, lance un enchaînement, pouvant aller jusqu'à 3 coups maximum. Coup de pied sonique, seul plus plafond. Ouais, masse, coup final, ok, caméra, il y a distordu, oh putain, il doit être cool celui-là, il doit être beau, j'ai la somme, ouais, il doit être magnifique, libère un puissant Kaioken et caméra, beaucoup de ki, bah oui, je m'en doute qu'il utilise beaucoup de ki, Kobo bug déferlante, c'est vrai qu'il utilise 200 de ki, enfin, beaucoup. Saut en arrière. Point berceuse. Kaioken Kamehameha. Oh! Ah ouais, il est stylé aussi, sûr. Super explosion de ki. Finalement, lance. Tempête géante. Le tempête géante, c'est ce que j'ai cru voir. C'est le, quand il lève son doigt vers le ciel et qu'il fait tout péter. J'ai trouvé cette technique assez cool. Enfin, je pense que c'est celle que je pense, mais je suis pas sûr. Hein. On va l'acheter ou pas? Allez, on prend les risques. Et le Kamehameha Kaioken, s'il y a possibilité. Non, on peut plus. Plus de thunes. Ok, je suis ratiboisé. Distordu, non, m'intéresse pas. Avec différents. Saut en arrière. Super explosion de ki. Laisse stocker, exploser, fin des vacances, provoque une explosion. Ok. Provoque une explosion géante à l'aide de la rappel pour le paralyser temporairement. Oui bon, on va se contenter de ceci. On va regarder un petit peu les tenues. Ouais, ok, salut. Boutique de mélange. Non, ça m'intéresse pas. Boutique de vêtements. Alors, peut-on se changer? Yes, ça y m'a fait.
Alors, avec des ennemis, bien entendu. Ouais, non. Le gilet de Yamcha, il est cool parce que y a pas le truc bleu en dessous. Tenue du démon. Ok. Piccolo, quoi. Tenue de Raditz, il n'a pas. Tenue de Vegeta. Son Gohan. Il est ridicule comme ça. Wow. Chaoza. Il est fort là. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Tenue de combat, qu'est-ce qu'elle a? Elle se charge pas. Pourquoi on la voit pas? Je peux pas la mettre, je sais pas. Ah, parce que c'est ok. Ok, je ne peux pas l'acheter parce que oui, je comprends. Ah, on peut changer la couleur. Quand vous voyez qu'il y a le truc multicolore, du coup, il peut avoir une chemise mais d'une couleur différente. Ça peut être pas mal. Je l'ai. Tortue géniale. Ah, ouais. Tortue géniale, ça. Ah, avec lui, d'accord. Démon. Est-ce que ça, c'est les pantalons, forcément? Wouah, la classe. Ouais, bon. On peut changer la couleur, ça peut être pas mal. C'est pour les Namek, pour les voilà. C'est pour tout le monde. Ok. Ok, ah, c'est les gants. J'aime bien ces gants. Mais bon, on va rester comme on est. Du coup, si l'épisode vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce rouge. Si vous avez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, hein, avoir un petit commentaire, savoir si vous voulez que j'achète une technique ou que je fasse des quêtes parallèles ou un peu de multi. Bon, pour l'instant, je crois que ça vient de se débloquer. Y a pas de problème. Si ça vous a pas plu, ce qui vous gêne, vous pouvez me le dire aussi. T'es tout rigolo, toi. C'est quoi, c'est des vrais gens ou c'est des gens bizarres? Donc, et si je vous dis, moi je vous dis à la prochaine. Donc, au revoir.